Ouais. T'as pas faim, Kélan? Mec, j'ai archi faim. Mec, j'ai trop la dalle. Tu sais qu'en plus, j'ai fait nuit blanche, juste manger une soupe ce midi. Là, je suis à un niveau de faim. Ah, mais... Ça, t'es en nuit blanche là. Ouais. Mec, j'ai fait des montages. J'ai fait des montages. Mec, tu vas mourir 100% toi. Alors, mon ami Kélan. Ouais. Je t'emmène dans un resto. Je sais même pas si c'est un resto, c'est un centre de pub en fait. Ils annoncent ça comme un pub, c'est pour ça que j'étais attiré par ça. Dans le 11ème, okay. Ça s'appelle Frog Burger. Et apparemment, ils ont la particularité de faire des bons, bons Big Burger accompagnés d'une bonne bière. Et du coup, vu que moi, je suis fan de bière, bah voilà. Fan de burger. Enfin, fan de bière, amateur de bière. Du coup, on va aller dégommer ça et on verra comment ça va se passer. On vous donnera nos avis et puis voilà. On a quand même 35 minutes de route hein, pour se déplacer pour un burger. J'espère qu'il en vaut le détour. Kélan. Ouais. Tu sens cette odeur? Oui. Cette odeur de burger. Ça sent le burger. Wow, the Frog Burger. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Da Vinci Burger, il m'a l'air bien bon. Du bœuf, du jambon de serrano, de la mozza, du pesto, la roquette. Moi je pense à un bon... Regarde ça. Bœuf cheddar, porc fumé, coleslaw, oignon frit et oignon. Là juste peut-être le coleslaw, c'est un peu bizarre. Mais... Avec le blue burger aussi. Du bœuf, du bleu d'Auvergne, de l'iceberg, de la confiture d'oignon. Mon gars il rigole zéro. Ils ont des bières artisanales mon gars. La Frog Beer, voilà, on va faire les choses à fond là, clairement. On va goûter. La Frog Beer. Santé Kélan. C'est de la bonne bière. Ouais, putain. Ouais, elle est bonne. Oh putain, elle est trop bonne. Elle est pas très forte. Mais... J'en ai aucune idée. Elle se rapproche fort des bières belges. Ouais. Étonné de ouf. Elle est meilleure que toutes les bières dans mon pack opening de bière. Ah oui? Vraiment. C'est vrai? Ouais. Genre, c'est une bière qui me correspond vraiment. Hein? Waouh, ça va s'annoncer. Déjà m'habituer. Ah, ça va être trop bien. Oh. Mec, tes frites, ils ont l'air trop, ouais, trop bonnes. Tu comprends? Ouais, vas-y, je te teste. Oh, mec. Je crois qu'on va en reprendre. Waouh. Mec, c'est archi bon. Elles sont assaisonnées en fait. Ouais. C'est un peu gras par contre. Mais c'est archi bon. Putain, elle est mienne. Non. J'ai pas envie de manger les miennes à côté de tienne. J'avoue. J'en ai remercié, ils sont merdiques. Parce qu'il n'y a pas de sel aussi. Ouais, mais au niveau du goût, toi, les tiennes. Ah oui, les miennes, elles tuent, mec. Mais regardez les frites là. Elles sont vraiment trop belles. J'abuse même pas. Hein. Elles sont rousses. Oh putain! Mec, c'est terrible! C'est vraiment trop bon! Mec, j'ai rarement goûté des frites aussi bonnes! En fait, c'est vraiment entre les onion rings et les frites en fait. Elles sont fondantes? Ouais, c'est fondant en plus! Bon, c'est le moment d'ouvrir la bête! Alors, moi j'ai pris un Da Vinci Burger, un double Da Vinci Burger! Du coup, on va ouvrir cette merde! Oh la bête quoi. Ils ont mis carrément une tranche de lard. Waouh. On te tient. Oh my god. Mec, c'est terrible. Toi c'est quoi que t'as pris? Moi c'est un breakfast burger. Un breakfast burger. Imagine le mec le matin il mange ça. Bah si, ça fait un peu penser, c'est genre, je pense qu'ils sont inspirés, c'est du petit déj anglais avec genre des œufs, du bacon. Ouais. J'ai rarement goûté des frites aussi bonnes. Elles sont limite addictives. Ouais, non. Les frites c'est normal, elles sont vraiment bonnes. Mais je vous jure que comparé à ça, c'est vraiment ce que tu dis, en fait, t'as même plus envie de les manger, t'as juste envie de te gaver de ça. En fait, ouais, c'est... Elles sont bonnes, celles-là, elles sont bonnes. Mais alors ça, me là... À chaque fois que j'en mange une, je suis en mode waouh. Mais oui, mais vraiment, ça fond. Ouais, ça fond, non? Ça fond dans la bouche. Ça fond dans la bouche. Ça a un goût. Allez, mon gars. Ok. Regardez-moi ça, my big burger. Oh ouais, là c'est my big burger de ouf. Hein. Mais on m'avait pas menti. Mec, tu veux goûter le mien? T'as une putain d'idée.
T'as vraiment eu une vas-y, goûte, arrangez après. Vas-y. Tiens. On est là pour tester, Kélan. Putain, regardez-moi son burger, lui. Ah ouais, moi, c'est full protéine, mec. Hein. Je préfère le mien, mais il est vachement bon. La viande est méga bonne. Waouh. Les steaks, ils rigolent zéro. Mec, c'est tellement bon. Et ben on m'en avait dit du bien. Et on m'a dit surtout, les burgers suivent avec la bière. J'ai mangé mon burger, on va boire. Ça, c'est un putain de repas belge. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé un bon burger comme ça. Ouais. La viande est... Je suis bon vivant, hein, mais vraiment, c'est vraiment bon. La viande est fondante. Moi, j'ai une touche de roquette qui rajoute de l'amertume. Il y a le lard avec. Mes papilles, là, elles sont... elles font la fête. Hein. Mais moi, les steaks sont vachement bien cuits. Le bacon est parfait. Ça met trop bien. Mais en fait, c'est plein de viandes différentes. Mais il n'y a pas une viande qui vient tuer l'autre. Mm. C'est vraiment bon. J'espère que là, avec la musique, je me ferai pas strike de YouTube. Waouh. Waouh. Mais c'est incroyable. Aldé voulait venir. Je lui ai dit bah... Il aurait pas été déçu. Hein. Je lui ai dit par contre, il y a 35 minutes de route et il m'a dit bah la flemme, en fait j'ai trop faim. Le mec, tu rates quelque chose. Hein. Parce que s'il était venu... Regarde, si tu regardes cette vidéo, tu sais que tu regrettes. Ah ouais. Et mets un pouce. Hein. Un pouce bien gras. Mmh. Mmh, my big burger. Ah mais mec, ces frites là, c'est l'événement quand même. Attends, j'ai goûté les frites. On va goûter ces frites là. Oh mec. Honnêtement, c'est pas pour abuser parce que je fais une vidéo et tout. Hein. Je pense que c'est limite presque les meilleures frites que j'ai goûtées de ma vie. En vrai, c'est incroyable. C'est plus spécial que j'ai goûté de ma vie en fait déjà. Et au niveau de du goût, c'est surprenant. Mmh, oui. Mmh. Je dirais pas que ça a rien à voir avec les frites que vous avez l'habitude de manger. Ça y ressemble quand même. Mais au niveau de la texture et du goût, la texture est complètement différente. Et le goût est vraiment particulier. Quoi. T'as vraiment l'impression de manger un plat assaisonné. Quoi. C'est archi bon. C'est trop bon. Mes frites comme ça. Hallucinant. Hein. Mes frites, j'ai pas envie d'y toucher. Hein. Moi, je vais les prendre parce que j'aime bien manger. Putain de merde. Quand tu prends une frite comme ça, on dirait que c'est une frite de la cantine. Alors qu'elles sont, elles sont bonnes, hein, celles-là, mais... Elles sont bonnes, mais bah, elles font pas le poids, quoi. Kélan, tu sais en combien de temps on a mangé notre burger pour nos frites? Non. En 8 minutes. En 8 minutes, on a fait une tuerie sur la table. Tu sais que j'ai vraiment envie d'en prendre. Des frites ? Même un burger. Un burger ? Vraiment ? Attends, t'es vraiment un putain de mangeur. Hein. Non, un burger, je pourrais pas. Par contre, des frites comme ça, mon gars. Mais on va en prendre, c'est sûr. My big burger, j'en ai fait qu'une. Faut que je reprenne un burger. Ouais. Tu vas reprendre un burger, ouais. Mec, tu vas payer 40 euros. Non. Il va reprendre un burger, ce malade. Mais en tout cas, très, très, très bonne expérience. Venez ici. Si vous êtes un amateur de bonne bouffe, bien grasse, ça vaut le détour. Et surtout, prenez les frites patates douces. Hein. Les frites patates douces, elles sont hallucinantes. Oh là là. Oh là là. Par contre, au niveau des musiques, j'espère que ça va pas niquer ma vidéo. Enfin, au pire, elle est non monétisable, c'est pas très grave. Et ouais, quand on aura fait plusieurs, on pourra faire un classement, ça va être ouf. Mmh. On pourra dire aux gens quel est le meilleur burger sur Paris. Je pense que niveau burger, je pense qu'on va faire mieux. Ouais. Parce que niveau quantité, on peut faire mieux. Qualité, c'est bien. Qualité, c'est très bien. Mais une quantité, c'est un peu petit. Mais bon, des frites... Niveau frites, les frites sont oufissimes. Les frites, c'est incroyable. Les frites sont incroyables. Il y a pas d'autre mot. On va donner les notes au burger, déjà. Donc moi, j'ai pris le Da Vinci Burger. Sur 10,
je mettrais 7,5. Ça veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Je réserve les au-dessus pour vraiment genre... Il faut prendre en compte, c'est la première évaluation qu'on fait. Du coup, je préfère être raisonnable et mettre 7,5. Voilà, les notes pour l'instant, voilà, elles sont... On pourrait même potentiellement les changer plus tard. Oui. En comparaison de ce qui existe ailleurs, tu vois. Toi, ton breakfast burger, tu mettrais combien? Moi, je mets un 7. Un 7? Ouais. Les frites? Les frites, honnêtement, ouais, 9,5. Je mets 9,5. C'est parce qu'on sait jamais, tu vois. On sait pas sur quoi on peut tomber, mais. En vrai, sera c'est. Difficilement détrônable parce que les frites. Quand je suis arrivé dans un truc comme ça, je me suis dit, je vais déguster des burgers. Je m'en fous des frites. Les frites, c'est un accompagnement. Là, j'ai frites, mais. Une tuerie. Mmh. Et la bière, bien évidemment, je mettrai un petit 8. Pareil. Un petit 8. Je pense, ouais, c'est des bonnes. Du coup, ça fait quand même une note globale. Ouais, bonne note globale, hein, pour ce premier resto. Ça fait un petit. Ouais, ça fait genre de 8,5. Ouais, ça fait très bonne note. Du coup, voilà. On attend du coup le cheeseburger et la deuxième tournée de frites. Parce que voilà, il faut quand même profiter, quoi. Hein. On s'arrive. Merci. Des nouvelles frites. On va voir si la sensation est la même. Alors, c'est archi bon. C'était pas un coup de chance. Ça m'avait manqué. Putain de merde. C'est dingue. En vrai, c'est archi dingue. Et l'intérieur. Mec, il a une bonne gueule, le cheeseburger. C'est pas un XL du coup, c'est un normal. Celui-là, c'est pas un XL, c'est pas un double steak. Mmh. C'est collé, je peux pas ouvrir. Je vais bouffer ça encore, Kélan. Alors ? Il est pas mal. C'est bon. C'est vrai. Je pense pas que ce sera le burger qui remportera le prix de meilleur burger. Parce que je pense qu'on peut faire mieux. Alors je sais que mon père, il faisait des burgers maison. Ouais. Donc ils m'ont laissé un meilleur souvenir, tu vois. Mais c'est très bon, franchement. En vrai, les burgers, c'est un peu traître. Parce que moi, j'adore les burgers, tu vois. Ouais. Et typiquement, mon père, il faisait des burgers maison qui étaient excellents. Parce que genre, on avait tryhard de ouf, tu vois. Avec des viandes de qualité, ouais. Et tout. Mais... c'est des bons burgers, franchement. C'est pas des bons. Mais qu'à chaque frite, je suis sur le cul. Ouais, pareil. Le pire, c'est que j'ai plus faim. Mais j'ai encore envie d'en manger. Waouh, putain, celle-là, mon gars. Ça, c'était de la bonne patate, ça. J'abandonne. Je mange plus. Je suis trop rempli là. T'as mangé quoi ce midi? Ce midi, j'ai mangé un pavé de saumon avec du riz. Et pourtant, avant de venir, j'avais la dalle de ouf. Je dis que j'arrêtais de manger. Instinctivement, je mange des frites tellement elles sont bonnes. Et en vrai, il faut demander leur recette là. Hein. La dernière frite. Hein. Les petits potes, première dégustation terminée, le Frog Burger, agréablement surpris, surtout au niveau des frites et de la bière, genre c'était ouf. Dites-moi si le format vous plaît, si vous voulez que je change des trucs, des suggestions, si le fait que je sois dans le restaurant vous gêne, si vous préférez que je sois dans un lieu plus calme, dites-moi ce que vous voulez en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits pouces comme d'habitude, hein, que ce soit rouge ou bleu, en fait je m'en fiche, interagissez, montrez-moi que vous aimez ou pas la vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.